Bonjour, je m'appelle Tariq Souarouane, le directeur général de la compagnie Polytoil Paints. Nous sommes distributeur exclusif de la marque Oratrol sur l'île Maurice. Donc Oratrol, c'est une marque française qui est présente en France et en Europe et aussi en Amérique. Donc c'est une marque internationale. Donc, c'est quoi Oratrol? Oratrol, c'est toute une gamme de produits pour la protection, la rénovation et la maintenance pour le bois, que ce soit intérieur ou extérieur. En fait, quand on parle de bois, donc tous les bois, sans exception, ils vont s'altérer dans le temps avec les conditions climatiques, surtout à Maurice. Nous sommes dans un pays tropical. Donc le fait que le bois va s'altérer avec les conditions climatiques, donc ils vont subir des grisaillements, des fendillements, etc. Donc on a besoin de les protéger. Donc c'est pourquoi on va venir avec la solution Oratrol. Prenons un decking par exemple. Un decking par exemple, le bois balao. Le balao est utilisé largement à Maurice pour faire des deckings en bois, et surtout extérieur. Donc un decking avec le temps, avec les produits conventionnels, avec les vernis conventionnels, on va être attaqué par les UV, les conditions climatiques. Donc par exemple là on a un problème de noircissement. Donc le decking est devenu noir parce que l'huile, les vernis en général, l'huile va être attaquée par les UV et un problème de noircissement. Le fait que l'huile est noircie, on va utiliser. Donc pour rénover ce decking, on va utiliser par exemple le produit qui s'appelle Aquanet, qui est un déshuileur. Donc le déshuileur, lui, on va appliquer le produit, on va attendre au pinceau. Ce sont des produits faciles d'emploi. Par exemple, le déshuileur, par exemple là, c'est le Aquanet qui est un déshuileur. Donc c'est un produit prêt à l'emploi. On va appliquer au pinceau, on va attendre 15 minutes. Et après 15 minutes, on va le laver avec un karcher ou bien un petit brosse avec un lance, avec de l'eau. Et on va le nettoyer. Aquanet va enlever tout le noirci et va désincruster le bois et donc va vraiment faire le bois comme s'il devenait propre. Et ensuite, après le Aquanet, on va appliquer le Netrol. Le Netrol, ça c'est un produit aussi. Donc, le fait que le bois soit mouillé, on va appliquer le Netrol, qui est aussi un produit prêt à l'emploi. Pareil, on va appliquer au pinceau. On va attendre 10 à 15 minutes, puis on va le laver. L'objectif du Netrol est de neutraliser le bois, en fait de rendre le bois à l'état d'origine. Donc, c'est un dégriseur, ça va dégriser le bois. Ça va faire le bois devenir à l'état d'origine. Et puis ensuite, on va le saturer, donc avec un saturateur. Le saturateur, qui est le Aquadex, donc c'est le produit le plus connu de la marque Oratrol. Le saturateur va agir en imprégnation et va saturer le bois. Et donc ce ne sera pas un produit qui va faire du film, donc ce n'est pas un produit filmogène. Le problème à Maurice, surtout dans le pays tropical, tous les vernis, que ce soit un vernis polyuréthane, même les vernis les plus haut de gamme qu'il y a, tout ce qui est filmogène va avoir un problème de caillage. Donc le problème d'écaillage et de pelage, c'est ça un petit peu le problème des conditions climatiques à Maurice, donc ça va affecter le bois. Vous allez voir dans tous les hôtels, dans les projets IRS, etc., tous les bois que vous allez avoir, ils vont avoir ce problème de décaillage parce que ce sont des vernis. Par contre, le Aquadex, c'est un produit, c'est un saturateur. Ça va agir en imprégnation, ça va saturer le bois et il n'y aura pas de problème de décaillage parce qu'il n'y a pas de film. Donc c'est un produit non filmogène. Donc ça va protéger le bois contre le fendillement, le grisaillement, la déformation. Donc c'est ça un petit peu l'avantage du produit Aquadex. Ces trois produits constituent la solution decking. Par exemple, on a la solution decking. Un decking qui a été grisé, noirci, etc. avec les conditions climatiques. On va pouvoir le protéger, le saturer éventuellement, le rendre vraiment neuf et avec un coût moindre en termes de maintenance. Donc quand on parle de bois sans exception, que ce soit les bois durs, les bois tendres, les essences de bois, que ce soit les bois exotiques, les bois tropicaux, ils vont s'altérer dans le temps. Donc avec des conditions climatiques, surtout à Maurice, nous sommes dans un pays tropical. Le fait que le bois va s'altérer dans le temps, il est impératif de les protéger. Donc c'est pour ça qu'on vient avec la solution Oratrol.